Bonjour, bonsoir, amis YouTube, mwen semaine ça, c'était éliminatoire Coupe du Monde dans pile confédération. Là-dedans, yo CONCACAF là et Haïti t'es concerné. 25 mars passé, Grenadier bat Belize 2-0 dans le stade Silvio Kator. Dans un match, yo t'es maîtrisé du début à la fin. C'était premier match Haïti depuis 16 mois. Premier match comité normalisation hein, et premier match Jean-Jacques Pierre comme sélectionneur national. Ça a bien passé, mais victoire ça, pas doué caché quantité tête fait mal qui t'a gagné dans cuisine, dans organisation et planification match football ça. Quitte c'est dans convocation, dans planifier voyage joueur étranger, quitte c'est dans planifier entraînement, c'était yon casse-tête. D'abord, dans convocation joueur. A vous remarquez, Derrick Etienne Junior pat là en Haïti malgré non t'es sous pré-liste Jean-Jacques Pierre là. Information rapportée que club Derrick Etienne Columbus Crew pat vle libérer joueur. Pour qui ça? Parce que li pas trop se voit convocation. Attends, fédération t'es défendu. Voyez montrer Columbus date convocation. Hein? Mais problème non, convocation hein? Pat al jouen moun pou l'tal jouen nan et moun ça. Pas de transmettre li by vrai responsable à temps. Columbus mettez vetol, Haïti, pas de cas gagné Derrick Etienne, qui pas gagné longtemps, t'es champion des États-Unis à club li. Yon dossier nous t'es cas, puis bien géré. Mais côté que t'es gagné plus problème, c'était fait joueur cap sorti en Europe, yon rentré en Haïti. Normalement, ça pas t'a doué yon problème si nous considérons que depuis plus passé 10 l'année, football haïtien. Nan pratique ça, sauf que gen coronavirus kounya et comité qui l'a nouveau dans affaire question gérer football. Alex Christian Junior, latéral gauche sélection, pas arrivé en Haïti non plus pour match ça alors que le bloqué Mexique depuis lundi, soit 3 jours avant match là. Rivé Mexique, Alex pas de rallier vers Santo Domingo parce que ticket ça pas finalisé. Essayer passer par Miami, Miami bloqué parce qu'ils sont en Europe, mesure COVID. Le l'a laissé passer par Panama, Panama Mandel, yon visa transit, malgré Alex résident européen, malgré Alex gen visa américain. Tout ça yo, dans l'aéroport de Mexique, là, Alex bloqué et je vois passer. T'es gen yon dernière option, yon vol dans 24 mars, dans matin, qui t'a fait plusieurs connexions pour arriver 25 à 5 heures dans l'après-midi. Option ça, évidemment, pas de viable dans la mesure où match là lui-même t'est fixé pour 5 heures dans le même jour. Nous perdons donc Alex Christian Junior dans dossier ça. Et problème Alex Christian Junior là, en pile joueur était prêt là-dedans, mais il arrivait sorti difficilement. Capitaine Johnny Placide t'est passé contre Mizel tout, sorti Sofia en Bulgarie, passé Londres en Angleterre, côté il était bloqué parce que l'agence de voyage là, t'es mettel pour le passer Miami. Vol ça, pas de possible. Encore une fois, restriction COVID, Placide d'absout en Europe. Et c'était un dimanche, pas de moyen pour régler ça avec l'agence là. Et c'est là que Jean-Jacques Pierre t'es obligé intervenu, payer ticket à lui-même pour Placide rivé Santo Domingo. Placide rivé Haïti seulement mardi matin, 2 jours avant match là. Plusieurs autres joueurs étaient dans Casa, pas qu'à faire connexion aux États-Unis, sorti en Europe. Ça que agence là, t'es supposé qu'on est. Don Didson, Isaac Ouro-Simon, Pascal Joab, Steven Séance, Hervé Basile, tout joueur ça a été dans mise ça. Et Jean-Jacques lui-même, plus qu'un sélectionneur, t'es joué rôle en team manager même, dans payer ou t'es la distance pour jouer qui te prend mauvaise surprise dans connexion qui pas de possible sous Dallas ak sous Miami. Jean-Jacques Pierre t'es même obligé de parler avec chauffeur taxi dominicain pour faciliter la tâche à Sonny Mustivan et à Donald Guerrier. En fait, déficit administratif ça yo, Jean-Jacques nouveau sélectionneur a fait pas ouais yo grâce à Devoumani, coach là pas dormi pour faire travail ça, travail yon team manager t'a dû faire. Coach là t'a dû plus après régler les affaires terrain. Que ça fait planifier voyage, conséquence, en pile joueur, soit pas rien arrivé, soit arrivé trop tard, ça qui nuit préparation Grenadier, qui donc t'es qu'à faire un plus bon match
contre Belize. Et l'autre problème nous qu'a signalé, c'est d'être ancien administration Fédération Haïtienne Football, là, qui était pour diriger aujourd'hui, d'être Servotel depuis 2 ans, d'être bus sans souci, et ça, t'es posé problème, et la veille match, et le jour du match. Sélection pas gain bus pâle, ça qui c'est déjà, c'est une grosse anomalie, l'en considérer. Tout le temps, sélection ça a gagné, a évolué sur scène internationale. Là. Et les priorités sollicitées, service sans souci, compagnie, relais et Fédération haïtienne de football, pour les deal résoudre problème d'être ça. Négocier, négocier, sans souci, bail service là, mais l'équipe là, t'es en retard pour l'entraîner la veille, t'es gagné retard tout, je ne dis là, joue match là. Il y a un véritable désordre que sélection nationale n'a pas gagné propre bus pâle. Qui donc, il y a pas qu'un problème, youn entre dans l'autre, après déjà humiliation te prend, dans U23 yo, qui coûte une chère, problème planification, qui te fait commencer match inaugural là, à 10 joueurs, nous songez ça. Itala, qui c'est coach U23, l'a dit nous plus sous ça. Expérience capable de servir non seulement pour compétition, pour entraîneur, pour joueur, mais pour le reste football national là, parce que nous comprenons l'importance que une bonne planification gagne sur les résultats sportifs. Et en plus de ça, nous comprenons tout que jumelage joueur haïtien, joueur qui a joué en Haïti avec joueur qui a joué à l'étranger. Pour le faire bien, pour le taper bien chita, nous avons besoin de plus de temps pour que les joueurs viennent participer dans l'entraînement ou encore l'équipe là sorti plus bonheur pour que nous capables de faire une cohésion et une véritable équipe qui gagne ambition pour remporter ou bien pour jouer une qualification dans la compétition. Vous pensez quoi? Ça, c'était Itala qui t'a parlé de problèmes au niveau U23. Tu as un pile problème tout au niveau senior. Et leur tenu compte de tout problème, ça yo, victoire 2-0 sous Belize, là, Jean-Jacques Dilla, c'est un bon bagaille. Jean-Jacques qui était en mission de 2 matchs pour le mois de mars, pas de contrat dans mail pour plus loin que victoire contre Belize. Là. L'État doit rester au-delà, mais pas qu'on ait rien qui s'y est. Il y a un autre problème qui déjà pointé là, c'est la crise des clubs. Comité normalisation hein, qui a diagnostiqué, mais les clubs ont un cahier de charge avant saison à recommencer. Début saison hein, fait reporter pour une deuxième fois parce que club yo pas souhaité bah, rapport ça, alors que comité normalisation lui-même pas souhaité lancer saison hein, sans cahier de charge ça. Peut-être que après le connaît premier gros crise football local là, à comité normalisation ça qu'il a si rien pas fait. Nous te parlé déjà de qui Jean 2021, c'est une année importante, non seulement pour gros transition ça a commencé, hein, mais tout pour ça qu'on nous sur le plan sportif. Gros équipe là, mettons un ticket content dans nous, mais problème yon en pile, et c'est un gros tonton chantier qui devant comité ça, on va arriver normaliser tout bon vrai football haïtien. Merci à amis qui tapent suivre vidéo ça, pas oublier abonner à Paysa, commenter vidéo, like, et puis dis-moi ça ne pensez. À la prochaine.